Le million de crédit à 40 euros sur FC24 Ultimate Team, c'est en ce moment même possible sur FIFA Coin. Profite de mon lien dans la description et avec le code promo AXO, tu as une réduction de 5%. Faites-vous plaisir. Bienvenue à tous les gars pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde est en forme, que vous allez bien. Bah écoutez, moi, ça va tranquillement les gars. J'espère que vous passez un bon week-end et un bon dimanche. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où on va un petit peu faire une rétrospective des 2-3 derniers jours passés en stream au niveau des packs ouverts sur le compte à 0€, au programme des packs icônes encore. On a également ouvert des packs pour les Fut Birthday forcément. Et bah écoutez, j'avais pas gardé beaucoup de packs. J'avais même pas prévu de faire une vidéo. Mais on a eu une icône les gars, on a eu une icône Fut Birthday qui est tombée sur le compte, ça fait plaisir. On a également packé de la Fut Birthday. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo les gars. Et aussi je vais vous montrer un petit peu l'équipe Fut Champions du week-end parce qu'on est parti sur un concept les gars, un concept PSG-Barça pour un petit peu fêter le quart de finale qui arrive au mois d'avril, le PSG-Barça. Voilà, on a fait un petit peu avec ce qu'on avait au club, c'est compliqué. Vous allez voir, on a également d'ailleurs été content parce qu'on a packé une icône qui a joué au Barça. Et à cette icône-là, ce n'est pas une icône de fou, mais le concept nous permet un petit peu de reprendre la hype au niveau des joueurs qu'on pack. Et ça, c'est super cool, les gars. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, les mecs. Avant qu'elle commence, comme d'habitude, vous connaissez la tradition. Le gros like, ça me fera extrêmement plaisir. Et dans les commentaires, bah, tiens, vous me dites PSG-Barça, tout simplement. Voir un petit peu si vous suivez les vidéos du début à la fin, les mecs. Je vous laisse, les gars. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à tout à l'heure. On a eu que des défaites, que des défaites. À part Zico doublon. Mais bon, c'est une défaite vu que c'est un doublon. Sinon, à part ça, on a eu que des trucs de merde. Allez, donne-nous un truc, là, pour ce dernier jour, là. Franchement, tout ce que j'ai fait, je mérite d'avoir un truc. Allez, là. Oh! Non, ils vont pas le redonner, c'est pas possible. C'est pas Puyol, ça. C'est qui? C'est qui, celui-là? Bah, c'est Real Madrid. C'est Real Madrid. C'est pas... Non, c'est pas bon. C'est pas le bon club. On le garde pour plus tard, on verra. Si on fait le Real Madrid. Ah, les salopards. Ils veulent que j'en refasse un. On en a deux boosts, les gars. On peut en refaire un. Donc, encore une fois, ça serait cool d'avoir une icône PSG-Barça pour le concept du fut champion du week-end. Bon, voilà, il y a des manquements. Il y a des joueurs, c'est compliqué. On sait pas trop quoi faire. On a des catastrophes. Rolfo, on n'a pas fait. Bon, par contre, on a R9-20 match qui dort au club depuis la Totti. Après, on a du banc, éventuellement. À tout à l'heure, c'est con. Hein. On veut un concept PSG-Barça. Il me donne Fernando Hierro, ces connards. Allez, on est parti. Deuxième pack icône du jour et dernier. Et après, j'arrête les packs icônes pour aujourd'hui. Il y a joué au Barça. Et il est pas mauvais. Il y a joué, non. C'est lui ou l'autre, s'il a un frère. Ouais, c'est bien, les gars, c'est pas mal. Pour le concept, je suis content. En plus, j'ai pas de DD. Bah, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Pour ça que faire des concepts, c'est cool dans le jeu. Ce ça, jamais je suis content d'habitude. Quel, les gars, vas-y, go le mettre. En plus, c'est une icône, il a 3 de colle. Et j'avais pas de DD. C'est bien, les gars. Pas mal, les gars, pas mal. Pas mal du tout. 24 hours later. Go ouvrir nos packs. J'ai pas mal de packs vendables parce que oui, on a commencé Coman et Rolfo. J'ai un 10x84 de Rivals et après, c'est des packs objectifs, les gars. J'ai aussi du 85x4, je crois. Faut voir la suite, mais ouais, c'est sympa. C'est un petit peu... Les gars, ça me fait penser un peu au Black Friday, l'event, là. Il me donne Varane, mais je ferai pas l'Evo, c'est mort. Regardez, il est introuvable. Il a combien de stats à 90? Il n'y en a qu'une. C'est la lucidité. Bon, après, c'est gratuit. C'est gratuit. On a un triple 80. Tiens, vas-y. Allez. Ah, Lavel. Bon. J'espère que c'est la 5 GT. Si c'est la 5 GT, vas-y, on prend. C'est mon premier Fut Birthday sur ce compte. Non, c'est mon deuxième. Parce que j'ai eu Gozens dans le pack à 15 crédits. Je vous ai pas attendu. Ah, ça, ça m'intéresse. 5 et 4. Elle a une belle carte. Après, elle tombe beaucoup, Lavel. Hein. Mais elle a une très belle carte. Hein. Elle a une très belle carte. Je pense qu'elle doit être très forte. La passe en profondeur plus, le finesse... Le R1, très belle carte. Bon, il nous en reste plus 5, les gars, c'est passé vite. On a eu que Lavel pour... vas-y, je joue juste celui-là. Oh. C'est une icône. Let's go, les gars, Van der Sar, on a de chance incroyable. Icône, les mecs. Icône. Oh, magnifique. Il doit être trop fort. Et double 5, les gars, je vais dribbler avec lui. Je vais faire des skill runs. C'est une longue histoire avec lui. Hein. On l'avait eu dans un 83x10 pendant le Black Friday. Et on le pack la nouvelle version du joueur. Par contre, Concept United, les gars, on le fera. J'ai Rooney, j'ai tous les alcooliques du club qui sont passés. Rooney, j'ai Paul Scholes. Et on va faire un Fut Champ United
Je pense qu'à côté, j'aurai ma bouteille de whisky, les gars. En plus, on abaisse. Non, mais les gars, c'est... Bon, mais là, les gars... Obligé, je finis à 3 grammes. Hein. 4 grammes, à la fin. Go faire 4x85. Oh, il y a double anime au moins, bon. Au moins, il y a double anime. Ça fera des notes, hein. À défaut d'avoir des spéciaux. Kimish ? Ah, j'ai de bons yeux. Ah, j'ai une bonne vue, hein. J'étais persuadé. Allez, c'est parti, les gars. 10x84. Allez, c'est de l'informe, c'est bien. On va pouvoir jouer, les gars. On va pouvoir faire des packs. Ah oui, si, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mal vu. Bon, Ziyech spécial, ok. Et un boost. Il est noté combien, Onana? 87. Donc là, on a Ziyech chez Onana. Ok. Bon, les gars, en vrai, il est pas mal, le pack, ça va. On a eu un boost. Et on a 3 animes. 4 animes en tout, quoi. Bon, les mecs, fin de cette vidéo, mais on n'en a pas tout à fait fini. Puisque je vous avais dit qu'on regarderait un petit peu la team PSG-Barça, ce qu'elle va donner. Donc, à noter, j'ai pas précisé en intro, c'est une équipe past and present, hein, forcément. Des joueurs qui sont passés par le PSG et le Barça et des joueurs qui y jouent actuellement. En sachant qu'on n'a pas de crédit et qu'on fait un petit peu avec ce qu'on a au club, ce qui donne une équipe un petit peu inégal, mais surtout là, à l'heure qu'il est, ce qui me dérange, c'est qu'on a beaucoup plus de joueurs qui ont un lien avec le Barça qu'avec le PSG. Et oui, regardez, on a juste Mbappé, Rony, Okocha, Julie aussi, c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il y a un lien avec le PSG. Sinon, ce sont des joueurs qui sont soit passés par le Barça, soit qui jouent actuellement. L'équipe est pas mauvaise en soi, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Notez, comme vous pouvez le voir, on a un sub goal. Et c'est vrai que je me dis, si on le remplit pas avant ce week-end, on fera le fut champion le week-end pro. Et peut-être que d'ici là, j'aurai deux meilleurs joueurs. Parce que c'est vrai que ça manque quand même de la jeunesse parisienne. Là, un petit Zaïre Emery, ça serait parfait. Mais bon, il est inabordable. Un petit Kimpembe fut birthday, ça serait top pour la défense. Parce que Puyol, alors pour le coup, hein, on est en plein dans le thème. Hein, c'est une légende du Barça. Il est vraiment indéboulonnable, mais il n'est pas exceptionnel dans le jeu. Laudrup, j'étais très content de le packer, du coup, dans le pack icône. Hein, c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de matchs avec le Barça. Et sa carte n'est pas si dégueulasse. Juli, bah, c'est parfait parce que lui, il a fait les deux clubs. Il a fait un petit peu de matchs au PSG en fin de carrière. Rony, on le sait, il a joué dans les deux clubs. Okocha, légende du PSG. Mbappé, meilleur joueur de l'histoire du PSG. Sergio Gomez, bon ça c'est du bonus. C'est un joueur qui a été formé, qui a passé 8 ans je crois au Barça avec les jeunes. Il a fait quelques matchs avec le Barça B. Pour le coup, j'étais en manque d'MDC, voire de DG si je permute avec Rolfo. Mais au moins, bah, j'ai un joueur pas si mal. Koundé qui joue actuellement au Barça. Mascherano qui a fait quelques matchs au Barça, qui a eu une belle carrière d'ailleurs. Et Ter Stegen au cage. J'ai également Donnarumma en régular. Rolfo que j'ai terminé en SBC. Et au niveau du banc, bah, comme vous pouvez voir, on a quand même R9. Malheureusement, j'ai joué un match, j'ai pas fait gaffe, j'avais 20 matchs. J'ai fait un match clash équipe, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Cruyff, au pire, on fera un mix des deux. Stoïkov, c'est bien pour le côté Barça. Les femmes aussi, hein, Putellas et Pina. Laurent Blanc qui a fait une saison au Barça. Enfin bref, les gars, on verra bien. En tout cas, j'espère que les conseils vous plaisent, parce qu'en ce moment, fut champion, c'est ce qu'on fait. On essaye de faire des petits concepts. Voilà, le Brésil, le week-end dernier, c'était cool. Là, le PSG-Barça, c'est un petit peu en thème avec ce qui va se passer dans les prochaines semaines, un match qu'on attend tous les mecs. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, certainement que je vais live dans la journée, mais je sais pas quand, ça paraît pas, mais je suis malade comme un chien, là pour le coup tourner l'intro, ça a été un petit peu difficile, mais avec l'habitude on y arrive. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros like et dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin ou que vous avez regardé le début de la vidéo, c'est PSG Barça, merci à vous d'avance et moi je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end et on se dit à très vite, ciao ciao.